Il... Ah, on est très proche. Non, mais très proche. Si. Il colle. Oui. Oh, yes. Non. La moitié du tube de Superglu dans la chatte. Yes, ça, ça fait ultra plaise. Il aurait pu le faire au scotch avec le scotch du bateau là. Flex tape. Oui, oh, yeah. Tape. What? Hey. On a retrouvé un autre déguisement. Alors Halloween, et c'est fini depuis un petit temps. D'ailleurs, truc qui n'a rien à voir. Dans ma rue, il y a déjà des décorations de Noël. J'ai envie de tout péter. Je suis en mode, on est le putain de tout novembre. Non, en normal. Fait, comme les fils de pute qui font le sapin en novembre. En mode. Oh. Pa, pa, pa. Oui, je sais, ta femme fait le sapin, mais. Et elle enlève en mars. Bon. Désolé, mais. Non, hein. Gros. Se prendre un carton ou. Merde. Dès que t'as dit, il regarde l'arbitre, il voit qu'il n'est pas là, il le tape, on avait compris que c'était pour pas prendre un carton, gros. T'avais pas besoin d'expliquer. C'était en fait, l'arbitre, s'il le regarde pas, il ne peut pas donc siffler la faute. La faute, c'est quoi? La faute, c'est quand tu fais une erreur, en fait. Qu'est-ce qu'une erreur? Une erreur, c'est quand quelque chose est interdit par les règles. C'est quoi interdit? Interdit, c'est quand, en fait, tout simplement. Et donc, ça me fait penser que j'ai sorti une vidéo sur ma chaîne YouTube. Effect. Interdit, okay. Cet effect. Mais quel bâtard. Allez, bon, je vous donne la parole. Bah, merci, mec. On va la prendre. Tu sais quel est le dessert préféré de Lady Di? Oh, oui. Bon, ça que ça arrive. Ah oui, mais je l'ai déjà entendu. Ouais, oui, la tarte au mur. Énorme. C'est marrant. Ma salle de bain, pour tous ceux qui s'en foutent, hein, donc c'est-à-dire tout le monde, fait 2 mètres et demi carrés. 2,5 mètres carrés. Donc, ah oui, je comprends Gigi quand il me dit qu'il peut vraiment pas se doucher. Bah, il peut se doucher. Mais comme ça. Bah non, mais ça va. je pense que Pierre Ménès peut pas se doucher dans ma douche. Mais, bah non, mais moi je peux me doucher. Il y a un mec qui a dit même pas. Ouais. Ah, mais moi, même pas j'y touche avec la bite d'un autre, hein, la meuf en orange. Hein. Genre. Voilà, nul, microglou. Nul. Bam! Raconte pas ta vie, fils de pute. Donc après, elles sont habituées, mais elles le disent même dans l'émission. Elles disent, bah, des fois, on se fait un peu chier. Elles disent pas ça. Elles disent, c'est vrai que parfois, c'est un peu ennuyant, mais ouh là là, si papa t'entendait, elle dit la mère, elle fait ça. Oh, il va te taper sur les wads. Attention à ton petit cul, Ginette. Parfois, même maintenant, c'est un peu ennuyant. Mais bon, puisqu'on est habitué. Papa t'entend, c'est fini. Parle 6 langues, donc. Alors lesquelles? L'italien, le français, l'espagnol, le portugais. Et le russe. Et, oh là et l'anglais. Et couramment? Oui, tout couramment, on lit et on écrit dans les 6 langues aussi. Oh. Je ne sais pas parler français, alors anglais. Toi, je vous arrose de ma semence. On a tous une part de lumière et la même d'ombre, pas du même monde. Le seul moment où on a trop chaud, c'est quand on fait raclette, quoi. Il n'y a aucun autre moment. Max. Moi, j'ai fait un aller-retour à Dunkerque et j'ai. Il s'en fout. Ça va, on me demande ce que j'ai fait du week-end. J'ai fait aller-retour à Dunkerque. C'était par politesse. Ah merde. Putain, c'est bien fait le jeu. Bon, c'est pas mal fait. What? Oh. Cohen! Get over here and deal with this. Target down. Well done, 47. Bon là j'avoue c'était un peu bizarre mon shuriken de traverser les murs quoi. Putain c'est bien fait le jeu. Oh, je vous ai mis des belles images aussi un petit peu, c'était pour vous hein, spécialement. Merci. Ouais, bah, là, tu peux enlever les têtes mais non mais le fais surtout pas. Non surtout pas, bam, direct. Oh et du Xari, coup, qu'est-ce que tu fais là? Le Xari, oh, qu'est-ce que tu fais sous la main? Oh, Xari. Ah, je bouffe la chatte. Et c'est vraiment une supposition. Je suis un joueur voilà, qui aimerait faire des tournois sur Fortnite. Qu'est-ce que je dois faire pour m'améliorer? Abandonne. Parce qu'en gros, normalement, un KitKat, tu le manges comme ça. Bah, normalement, tu casses comme en ça. Deux. Après, il y a la pire façon comme ça. Puis il y a la pire façon, c'est genre vraiment. Non, mais... Il a bouffé le papier, putain. Moi, je mange tout. Non, mais... Alors, moi, je vais vous faire Cyril Lignac quand il est dans une émission et qu'il goûte un truc d'un concurrent. Il est comme ça. Honnêtement, c'est énorme. 10. Oui, j'avoue. Ah, la crème est. Ah, elle est vraiment bien en fait. Elle est vraiment. Voilà. Elle est vraiment. Elle est onctueuse, la crème et le biscuit tellement bien cuit mais. 10. Waouh, j'ai jamais mangé un truc aussi bon. Je suis en mode mais vas-y, casse les couilles Cyril là. Tu m'as donné beaucoup de plaisir. Je pense qu'au moment où on le met dans la bouche, ouais, c'est marqué ton salé. Ton corps doit te. C'est marqué salé en France. Directement. C'est pas bon.
Et il s'est passé un truc, c'est que j'ai fait un micro-trottoir et je ne l'ai toujours pas diffusé. Donc, je vous propose de le regarder tout de suite en image. D'accord. J'ai l'impression qu'on nous prend un peu en otage dans cette émission. Est-ce qu'on avait le choix de regarder cette merde en fait? Non, du tout, mais c'est sur vous, les gars. Mais... Il s'y connaît. Enfin, ça a été. C'était mieux quoi. C'était moins ridicule quoi. J'ai eu un appel de Mickey, il cherche ses gants, je crois. Hein. Bonjour les amis, nous sommes Mickey. Bonjour, je suis Mickey. Bonjour, nous sommes Mickey. Et c'est vraiment, c'est exacerbé à l'exacerbé. Exacerbé. J'ai pas dit que j'ai regardé Znova là, en fait. Nous avons les moyens de vous faire parler. Je vois que vous aimez encore les petits fours. C'est exacerbé. Ya, 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 ya. Suivez mon armée, nous allons conquérir l'Europe. Ça se tire à balle le ciel au-dessus de la tête de chacun son métier, Max, ferme ta gueule. Twitch qui du coup ça. Non, non, mais ferme vraiment ta gueule, ton métier c'est. Chut. Hop là, zip. Voilà, laisse-nous parler, vas-y Hugo, ça va? Ouais, on reprend le dessus, on va parler des noustraches. Sur le récap. Les Américains. Les Américains sont trop forts, gros. For America! For America! En fait, le problème, c'est que j'ai juste un souci avec les joggeuses, en fait! Elle est où, la joggeuse? C'est moi? Non! Ouh, t'as de la chance! Non, je la rattrape! BAM! Non. M'appelle. Bam. Bam. Pour faire genre, c'est mon âme. Voilà, c'est mon âme que ça fait. Voilà. Et tu peux mettre du coup la dernière vidéo pour finir. Tout simplement, arrête. Et il y a un de mes potes qui m'en parlait, c'est en mode il venait de découvrir le truc parce que bah il y avait pas internet ni rien, et il est en mode putain, il y a des Pokémon, ils peuvent être d'une couleur différente et tout, ils sont très rares machin. Et moi je lui demande du coup ça sert à quelque chose, et il me dit non, c'est juste une autre couleur et tout. Et je prends sa cartouche, on joue tous les deux, tu vois. Et du coup je tombe sur un shiny mais sans le vouloir, tu vois, je sais pas, et je fais oh c'est genre ça. Et il me fait ouais ouais, et je suis en mode ouais ok d'accord, et je le tue, t'es en mode pour XP, je m'en bats les couilles. Et le mec il m'a... J'étais en mode ouais, oh, c'est ça regarde, et je croyais que c'était genre en mode, je croyais qu'il voulait juste me voir, tu vois, j'étais en mode bah regarde, oui. Il est là, il est beau, tu vois. Bonne capture d'écran. Je le tue, je suis en mode bah yes. Et il m'a détruit. Qui regardait des vidéos de Zulu, c'était en mode bah mais c'est qui ce mec et tout, il sait. Merci Zuzu. Fallout 76, qui a joué ici? J'ai l'impression que le jeu est passé. Tout le monde a l'air très déçu. Under of the radar, ça veut rien dire. Mais j'ai l'impression que vraiment le jeu. C'est de la merde en fait. Ah ouais? Ok, voilà. Tu peux essayer. Je te donne mon test si tu veux, il sera posté sur Jeux Actu, c'est de la merde. Ouais. Ah ok. Il sera posté sur Jeux Actu. Quel sale troll. Enfin, pour moi, c'est les riches qui doivent d'abord. Oui, voilà. Et qui est riche ici, Zulu? Ouais. But you man down there. 300 000 vues la vidéo, 300 000 vues, tu sais combien elle a rapporté? $2,000. Il passe tout ça avant l'article 13 en plus. Voilà, bien joué, ça c'est directement dans les caisses de Zulu et pas Zulu. Mais non, mais c'est des plantes carnivores ça? Voilà. Ouais, et puis ils ont sursauté quoi. Ouais, il fait trop peur le mec, gros. Non, c'est ouf. Pilule Viagra 200, elles sont déjà toutes prêtes à l'emploi. Yes, bien joué mec. Super drôle comme transition, voilà. J'aime beaucoup. Imagine, tu dors pendant le travail, je te balance genre un muffin dans la gueule. Ah ouais. Bah ouais, réveille-toi. Mais weird noise de quoi? Voilà. Qu'est-ce que tu parles, toi? Will someone help? Oh non! Ah yes! Il y a ce tueur à l'appel. Hop, boink. Ah là là, toi t'es trop sur ton téléphone, t'as même pas vu qu'il y avait un crime juste devant toi. Aïe 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 aïe, quelle erreur! Qui veut me tester en fait? Ma mère, trop angoissée, je pourrais pas avoir des responsabilités. Ouais, mais si elle sortait de sa zone de confort en fait, peut-être, et que ça devenait genre une entrepreneuse. Et qu'elle achetait genre plein de chiens pour après les revendre plus cher, et bien là, on serait plein de thunes. Et là, Zulu. Ce que je veux dire, c'est qu'au moins, dans sa vie,